Interview BO par Benoît Bazirico. Le duo de réalisateurs Éric Toledano et Olivier Nakache, à la direction de comédies à succès telles que Intouchables et Hors Normes, sont venus début avril 2024 au Festival Musique et Cinéma de Marseille pour une rencontre après la projection du film Le Sens de la Fête, dont la musique est signée par le contrebassiste de jazz Avishai Cohen. J'ai eu l'honneur d'animer cet échange. Voici un petit montage de leurs propos à travers lesquels on comprend leur rapport à la musique. Ils nous divulguent également leur goût en la matière. La musique, à quel moment elle intervient dans votre processus? À quel moment vous y pensez? Est-ce que vous écrivez votre scénario en musique? C'est la musique, elle a tellement une place qui est primordiale dans notre processus à tous les deux de création, qu'elle intervient à tous les niveaux. À l'écriture, évidemment, on écrit en musique tout le temps, tout le temps. On était dans le train tout à l'heure, on était tous les deux avec nos casques. Elle insuffle des scènes, elle insuffle des émotions. Et on essaye de trouver à chaque fois la musique qui va le mieux au film. C'est aussi pour ça qu'on ne fait pas appel à des compositeurs de musique de film, mais avec des compositeurs de musique. On écoute leur musique et leur musique colle déjà pour nous au scénario. Et si ça passe le temps, ben on essaye ensuite de combiner tout ça jusqu'au bout, jusqu'à la post-production du film, comme on l'a fait avec Avishai Cohen pour ce film. La comédie, c'est le rythme, et j'ai l'impression que la musique contribue vraiment aussi au rythme de vos films. Il y a toujours un très très bon rythme. Est-ce que vous montez sur la musique? Est-ce que la musique va déterminer le rythme de vos séquences? Pour ce film particulièrement, il y a eu une espèce de correspondance, de match comme ça, parce qu'on avait besoin de quelque chose de très rythmé. On voulait que cette soirée, elle soit, qu'il y ait un rythme qui s'accélère, que ça soit un peu fou, jusqu'à avoir imaginé, il faut voir quand même nos cerveaux malades pour imaginer un gars partir comme ça en l'air, complètement lâché par les amoureux dans les airs. Et donc, on avait une musique qui nous accompagnait et qui était vraiment le jazz que faisait Avishai Cohen, le trio de jazz. Il y avait plein de trios de jazz qui nous intéressaient, mais celui-là, il nous intéressait parce qu'il était formulé par un mélange avec des instruments qui étaient exogènes au jazz, comme la darbouka, le oud, des nouveaux instruments qui se mélangeaient au jazz. Et c'est exactement comme ça qu'on a modelé le film. On a pris des acteurs et on s'est dit, on va mélanger des acteurs qui ne sont pas de la même famille de cinéma. Il y a plein, plein de mélanges, et donc c'est vraiment comme une sorte de jazz où chacun a son instrument, où on faisait sonner et mélanger, parfois même en impro, d'où aussi on faisait des impros. Il y a eu quelques impros dans le film. Le Sens de la Fête, c'est un grand moment de rencontre entre le jazz et ce scénario. Avishai Cohen, vous avez puisé dans ses albums. Avec des temps impossibles. D'ailleurs, Eleven Wives, la musique de fin du mariage, Eleven Wives, c'est 11 temps, en fait. C'est très, très difficile à tenir, en fait. Et ce qui se passe, c'est qu'on fait comme d'habitude, on écrit avec la musique d'Avishai Cohen, et ensuite, avant de passer au tournage, on provoque une rencontre avec lui, en lui expliquant ce qu'on a envie de faire. Ensuite, on lui dit qu'on va essayer de coller sa musique sur le montage, et ensuite, on va les réenregistrer, parce qu'évidemment, il y a un équilibre à trouver, il y a un voyage à faire. Nous, on fait un voyage vers lui et lui, il fait un voyage vers nous. Et donc, ça se rencontre au montage et on réenregistre avec lui. Et c'est des moments toujours assez fascinants. Et il a composé aussi pas mal de petites virgules sonores pour le film. Il a aussi composé quelque chose pour le film. Il est contrebassiste et sa musique, c'est de la percussion. Évidemment,
évidemment, il y a des fois où on remonte en fonction de la musique. C'est le cas d'un des... Il y a un moment où... C'est un morceau qui s'appelle « Nounou » dans le film. C'est d'ailleurs le moment où vous voyez le marié qui s'entraîne à faire le... Tout ce morceau-là, c'est la musique qui guidait. Et c'est les temps et les moments de percussion où on change au montage les images pour pouvoir rester en rythme avec la musique. Que la contrebasse, c'est un son qui allait bien au personnage de Jean-Pierre Bacri. On trouvait que ça allait bien à cette soirée-là, à ce rythme-là, à ce son un peu comme ça, un peu dense, un peu rentré. Et on est parti comme ça. On est parti avec ça en tête et ce rythme-là en tête. Et pour les percussions dans la cuisine, là, on a l'impression que c'est improvisé sur les images. Mais c'est... pas improvisé, non, c'est on aurait voulu la jouer comme ascenseur pour l'échafaud, Miles Davis, mais non, ça c'est assez travaillé parce que nous, à la différence de l'ascenseur pour l'échafaud, on a une promesse à tenir, c'est-à-dire que dans une comédie comme celle-là, il faut que ça rie à intervalles très réguliers. D'ailleurs, on fait des projections test, et quand il y a des vannes qui ne marchent pas, ou quand vous public, vous ne riez pas, ça crée des grosses discussions entre ce jeune homme et moi. Et parce que des fois, on s'est affronté au montage, on a dit, mais là, c'est drôle. Et en fait, à un moment, ce qui est drôle, c'est subjectif, et à un moment, il y a ce qu'on appelle un rire de salle. Donc on fait des tests, et quand il n'y en a pas, on ne veut pas qu'il y ait de moments trop longs sans rire de salle, donc ça nous arrive de couper des choses, et donc la comédie peut pas vraiment s'improviser, parce qu'elle a un rythme calculé où il faut vraiment se marrer, on espère, régulièrement. On a ce vœu, dès l'écriture, on se dit, est-ce que ça va faire rire les gens ? Quels sont vos goûts en termes de musique de film ? Parce que vous faites appel à des artistes qui sont réputés sur scène et sur album, mais en tant que compositeur de film, est-ce que vous avez des références, des goûts ? Ah oui, bah c'est Sard, je pense, qui est le numéro un pour nous, avec la musique, par exemple, des choses de la vie ou des films de Claude Sauté. Ce qui est très paradoxal, c'est que pour nous, un grand film, c'est une grande musique de film, c'est un grand thème. Je veux dire, Gabriel Yared dans 37.2, ça reste inoubliable. Et il y a vraiment des grands compositeurs, John Williams aux États-Unis, etc. Bill Conti pour Rocky, ça c'est spécial dédicace. Mais c'est... De toute façon, c'est vrai, il a raison, il n'y a pas un seul film qui n'est pas associé à une musique. Si je vous demande à chacun d'entre vous quel est votre film préféré, il y a forcément une musique associée. C'est ça, cette combinaison-là qui est forte. En France, il y avait Vladimir Kosma, c'est vrai que de la Boum, en passant par tous les films de Funès, etc., il a marqué nos esprits. Néanmoins, on a eu une mauvaise expérience avec au tout début de notre carrière. Mais on a eu une mauvaise expérience avec dans les courts-métrages, etc., avec des gens qui faisaient de la musique de film. Et parfois, je veux dire, c'est un peu comme un espèce de... Comment dirais-je ? Une épuisette. C'est-à-dire que pour des dizaines de films, il reste quelques films qui ont un très beau thème. Mais souvent, c'est les mêmes thèmes et les mêmes genres qui reviennent avec des envolées. Et donc, nous, on a toujours eu peur de ça. Et du coup, on s'est dit, est-ce que c'est pas plus intéressant pour nous ? Et encore une fois, on ne milite pas contre les Alexandre Desplat et les grands musiciens qui nous fascinent. Mais est-ce que pour nous, c'est pas plus intéressant de rencontrer des artistes et de confronter et d'aller avec eux en s'associant dans l'artistique pour qu'ils arrivent vers nous ? Et ça nous a plutôt réussi quand on a fait ça avec Ludovico Einaudi. Il faut vous raconter quand même que la première personne au monde qui a vu Intouchable, c'est Ludovico Einaudi à Milan, dans un appartement. Et comme il ne parlait pas français et qu'on avait un anglais assez approximatif, on traduisait les dialogues. Donc on ne savait pas du tout s'il comprenait le film ou pas, parce que notre niveau déjà, d'anglais... Il s'est dit, c'est qui ces deux tarés qui viennent à Milan me montrer un film ? J'ai jamais fait de musique de film.
ils comprenaient même pas ce qu'on voulait. Et pourtant, je pense que s'il y a un thème au-delà de tout ce qui est resté, c'est la musique Fly de Ludovico Einaudi, c'est cette musique de piano qu'on reconnaît aux deux premières notes et qui a imprimé le film. Et donc voilà, c'est dans des rencontres comme ça, assez improbables. Généralement, les premières réactions des musiciens sont « Non, mais ça ne m'intéresse pas ». Et donc ça nous motive encore plus. On vient et on se déplace et on dit « Non, mais on va venir vous convaincre ». Et c'est arrivé à plusieurs reprises. Après, c'est vrai que ce qui est difficile pour nous, ce qui a été assez difficile, c'est qu'à un moment donné, on monte un film, on place des musiques. Donc déjà, c'est dur de s'en détacher si jamais on a un compositeur. Et ensuite, on donne les clés, si vous voulez, du camion artistique à quelqu'un d'autre qui va nous proposer des choses. Donc nous, ça a été assez douloureux pour nous. Du coup, on écrit avec des musiques, on travaille avec des musiques, et elles passent le temps. Et au bout de 3 ans, si on prend toujours le même plaisir à écouter de la musique, c'est qu'à mon avis, elle va rester encore longtemps. Mais on a un très bon contre-exemple, tout de suite, que je peux donner. C'est qu'on a fait une série qui s'appelle En Thérapie, et que le thème a été composé par un artiste qui s'appelle Yuxek, et que le thème, il est magnifique, et qu'on peut l'écouter 100 fois, et que vraiment, on l'a briefé, on lui a dit, voilà, on veut quelque chose qui a des répercussions pour qu'on comprenne qu'une thérapie, c'est quelque chose qui va en profondeur vous secouer à l'intérieur. Et on a fait 70 épisodes au montage. Le thème traverse chaque personnage, il revient sous d'autres formes pendant les séances, et on ne s'en est jamais lassé. Yuxek pour En Thérapie, donc c'était en effet magnifique. On peut aussi citer les superviseurs qui sont très importants aussi pour la musique de film, notamment pour négocier les droits des morceaux préexistants. Par exemple, Earth, Wind & Fire, vous aviez écrit le scénario d'Intouchable avec ce morceau-là. J'imagine que dès l'écriture du scénario, il fallait quand même savoir si vous aviez le droit de l'utiliser. Pour Earth, Wind & Fire, j'ai une bonne anecdote musicale pour le coup. C'est que quand on a montré les morceaux à Omar, il a dit « Je ne connais pas bien ça, c'est pas ma génération ». Effectivement, le funk... J'ai à peu près 50 ans. C'était la musique à la mode dans mon adolescence, Earth, Wind & Fire, Cool and the Gang, etc. Et avec Olivier, on a décidé de prendre un morceau, September et Boogie Wonderland. Et puis, au moment où on a décidé d'acheter les droits et tout, on a quand même eu un petit doute. On s'est dit, j'espère que c'est pas trop... Et puis on a décidé d'aller au concert, ouais, qui était à Paris, au Zénith. On est arrivé, il y avait marqué « Nostalgie présente ». Earth, Wind & Fire. Bon, là, vous commencez à avoir un petit doute sur la modernité du truc, mais en même temps, le funk, pour nous, c'est intemporel, donc on continue à faire le film. Le film sort. Finalement, la musique fonctionne plutôt bien. Et l'année d'après, Earth, Wind & Fire est revenu à Paris et avait marqué la musique du film Intouchable. Donc, on était contents. Voilà, on était heureux. Mais on ne sait jamais ce qui va fonctionner. Alors, c'est tout ça, non? Ça, c'est autre chose, ça, c'est sûr. Ah ouais, hein? Appelez-moi par mon prénom, je réponds plus, là. Brice. Brice. Non, je réponds pas. C'est parti. Et donc, oui, on négocie les droits. Parfois, c'est des ayants droit. Là, on a, par exemple, dans le dernier film, on a mis une musique de Jimi Hendrix. Il faut retrouver tous les ayants droit de Jimi Hendrix. On a même mis une musique des Doors. Donc c'est à chaque fois un casse-tête, et vous avez raison de souligner à quel point ils sont importants. Pour nous, c'est Élise Luguerne, qui est une superviseuse géniale et qui nous négocie les droits. Parfois, on a des surprises. Je le dis à tous ceux qui font des films, ne mettez jamais une musique des Beatles. Voilà, c'est impossible. Voilà. Après, ça et... Led Zeppelin. Led Zeppelin aussi, c'est impossible. Ouais.
Vos films sont très musicaux. Il y a La danse d'Omar Sy, Le chant de Gilles Lelouch. Est-ce qu'une vraie comédie musicale, dans le sens premier, vous intéresserait ? Est-ce que vous y avez déjà pensé ? Pas au sens de comédie musicale, mais un film où la musique serait encore plus présente, oui. Voilà. Et où elle serait un guide. C'est un peu ce qu'on espère faire là. C'est-à-dire, c'est pas Mamma Mia, mais presque les gens, j'espère, pourraient se lever pour danser à certains moments. En réalité, c'est un des moments les plus jouissifs. Les moments de musique dans les films, les moments où les musiques matchent bien avec les images, les moments où on ressent quelque chose, quoi. Et c'est aussi propre à la salle, parce que le son est vraiment bon et que normalement, on a bien réglé le mixage. Et voilà, les musiques qui arrivent au bon endroit et au bon moment. Pas comédie musicale pure, parce que ça, c'est... Quoique, La La Land étant un contre-exemple d'une comédie musicale récente qui nous a plu. Mais sinon, le reste, c'est pas notre... Il y a un film qui pourrait se rapprocher d'une envie qui pour nous, a lié au mieux la musique et les images. C'est Whiplash, par exemple. Alors, Whiplash, c'est pas une comédie musicale. Et pourtant, la musique, elle a une place prépondérante dans le film. Elle a une place prépondérante dans le film. Et c'est... Je vous invite à découvrir, si vous n'avez pas vu ce film. Même réalisateur que La La Land. Voilà, c'est ça. Damien Chazelle. Et c'est un coup de poing, ce film, qui a justement... C'est un des films qui a le mieux matérialisé le rythme et la musique. Écoutons pour terminer un extrait de la musique de Grand Brothers pour Une année difficile, leur dernier film en date.